contente de te retrouver encore une fois pour cette vidéo cette semaine. T'as vu comment il fait beau? Regarde le soleil, on peut se mettre en manches courtes, on peut aller dehors. Ça y est, on approche de l'été. Le 21 juin, ça sera l'été. J'ai tellement hâte d'avoir du soleil comme ça tout le temps. J'aime beaucoup, beaucoup l'été. Toi non? En plus, l'été, dis-moi, c'est les vacances. Ben ouais, ça y est, c'est bientôt les vacances. Regarde, qu'est-ce que j'aime beaucoup l'été, c'est qu'il y a des fleurs partout, partout, partout qui poussent. Des belles fleurs qui sentent bon. Tu veux que je te montre? Je vais te montrer ces fleurs, tu vas essayer de deviner quelle fleur c'est, d'accord? Alors, on peut voir si tu vas deviner. Regarde ces belles fleurs. Regarde, est-ce que tu reconnais cette fleur? Qu'est-ce que ça peut bien être comme fleur? T'as une idée? Est-ce que ça ressemble à une rose? Non, c'est pas une rose. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ce sont des coquelicots. Eh oui, regarde tous les coquelicots qu'il y a. Oh, regarde comment elle est belle. Je suis sûre qu'elle doit sentir super bon. Mais non, te cache pas, petite fleur. Te cache pas. Et il y a aussi d'autres fleurs. Regarde, il y en a des fleurs jaunes ici. Est-ce que tu as déjà fait un bouquet de fleurs? Peut-être que tu peux faire ça cette semaine. Moi, j'aime beaucoup cueillir. Mais là, pour l'instant, je vais les laisser parce qu'il y en a beaucoup. T'imagines si je cueille tout, 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 tout. Après, il n'y en aura plus. Oh, et regarde ces belles fleurs. Celles-là, il ne faut pas les cueillir hein, parce que maman, elle les a plantées. C'est pas pour rien. Regarde, tu veux sentir? Peut-être que ça sent bon. Regarde celle-là, comme elle est belle. Il y a une abeille dedans. Tu l'as vue? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Tu la vois? Oh, regarde, elle butine. Et après, avec ça, elle va faire du miel. Tu as vu ça? Regarde comment elle travaille, elle travaille, elle travaille. On va pas la déranger, on va la laisser tranquille. Regarde, madame l'abeille. Coucou. Tu as déjà vu les abeilles? Oh là là, là, on la voit bien. Oh, et puis regarde, ça, c'est des belles roses. Tu aimes bien les roses? Oh, moi aussi, j'aime tellement ça. Ça sent super bon. Par contre, elles ont des branches qui piquent un peu. Regarde, tu les vois, les épines? Aïe! Aïe! Non, 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 il faut pas toucher. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles! Il y a tellement de choses à découvrir quand c'est l'été. T'as vu toutes les fleurs qu'on a vues, les abeilles. Il y a même des papillons. T'as déjà attrapé un papillon? Ou des sauterelles aussi. Il y a tellement de choses à découvrir l'été. Tu me diras ce que tu as découvert, toi. Peut-être que tu es allé dans un jardin ou dans un parc. Ou peut-être que tu as découvert des choses que même moi, j'ai jamais vues. Tu me diras, hein, tu me raconteras, d'accord? Alors, je te propose maintenant que l'on parte à l'aventure à travers une nouvelle histoire dans la Bible. Qu'est-ce qu'elle va nous dire la Bible aujourd'hui? Parce que chaque semaine, on découvre de nouvelles choses dans la Bible. Tu trouves pas ça fantastique? Alors c'est parti! Et oui, la Bible est vraiment un livre merveilleux que Dieu nous a donné. Dieu nous dit que la Bible, c'est comme une lampe de poche. Dans la nuit, quand tu ne sais pas où aller, la Bible peut te donner des conseils sur comment tu dois vivre, sur qui est Dieu. Elle te dit que Dieu t'aime, elle te dit que toi aussi tu dois aimer les autres. Elle te donne plein de conseils pour toi aussi. Même si elle a été écrite il y a longtemps, 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 que même moi j'étais même pas née. Mais c'est tellement important et c'est tellement précieux de garder la Bible, mais surtout de la lire pour découvrir tout ce que Dieu veut te dire à toi et tout ce que Dieu veut dire à moi aussi. Alors, est-ce que tu as des oreilles grandes ouvertes pour découvrir cette semaine ce que l'on va regarder dans la Bible? Alors, va vite la chercher si tu ne l'as pas ramenée. C'est parti! Vive l'été! Vive l'été! Merci Seigneur pour l'été! Vive l'été! Vive l'été! Merci Seigneur pour l'été! Tada! Merci Seigneur pour l'été! Hé, les enfants! Moi, j'aime tellement l'été! C'est là où je peux jouer dehors, sauter partout comme un lapin digne de ce nom! Et aussi, c'est là où les carottes, elles poussent! Après, je fais des provisions pour tout l'hiver! Comme ça, eh ben, je ramasse les carottes de mon jardin! Je les garde et tout
plus jolie que la mienne, dis donc. En tout cas, moi j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va découvrir dans la Bible avec Estelle cette semaine. T'es prêt à écouter? Moi, j'ai lavé mes oreilles pour bien entendre tout et surtout retenir. Bon, je te dis à tout à l'heure. Ah, un bon bol d'air frais. C'était trop chouette de jouer dans le jardin comme ça et de découvrir plein de choses. Tu sais que dans la Bible, que Lapinou nous a montré, ça nous dit que Dieu nous aime. Que Dieu, il aime toi, il aime moi et il aime tout le monde. Tu savais ça? Mais ça nous dit pas que ça. Ça nous dit que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui t'a fait. Il sait même il y a combien de cheveux sur ta tête. Tu te rends compte? Ça fait beaucoup. Même moi, j'en sais rien de combien j'ai de cheveux sur ma tête. Il t'a donné des yeux. Il t'a donné des oreilles. Comme la Pinou, t'as vu comment elles sont grandes ses oreilles. Il t'a donné une bouche. Il t'a donné deux mains. Et il t'a donné aussi deux pieds. Pour marcher et courir vite. Mais tu sais ce qu'il t'a donné aussi? Il t'a donné un cœur. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. De notre cœur. Et oui, on va parler de notre cœur. T'as vu? La Bible dit que Dieu nous a donné un cœur. Mais quand la Bible parle du cœur, elle parle pas juste du muscle qui bat, qui bat, qui bat, qui bat et qui fait poum 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 quand tu mets ta main ici. Elle parle surtout de toutes nos émotions, de tout ce que l'on pense, de tout ce que l'on fait. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que nous allons apprendre un verset qui parle du cœur et qui nous dit d'en prendre soin. Prendre soin de notre cœur, ça veut dire prendre soin de mes pensées et de ce que je fais, mais comment on fait ça? Tu veux savoir? Alors écoute bien, on va l'accrocher ici pour bien qu'on retienne la leçon. Tu es prêt? Bonjour les enfants, les petits déconfinés. Est-ce que ça va? Oui, et toi? Oui, ça va, merci. Le verset parle du cœur aujourd'hui. C'est lequel? C'est « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Ah, c'est difficile. Ah, je sais, on peut le faire en rap. En rap? Je t'écoute. Garde ton cœur plus que toute autre chose, yeah, yeah, yeah. Garde ton cœur plus que toute autre chose, yeah, yeah, yeah. Garde ton cœur plus que toute autre chose, yeah, yeah, yeah. Allez, fais quoi les enfants? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Yeah, yeah, yeah. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Yeah, yeah, yeah. Ça veut dire que tu choisis le bien plutôt que le mal et Jésus plutôt que le mal. Ok, les enfants? La morale de cette histoire, c'est qu'il faut écouter Dieu plutôt que le mal. Ça me fait penser à une chanson. Tu as toujours chanté, toi, même si t'as une bonne casserole? Oui, c'est vrai. Tu la chantes avec moi si tu veux. Ok, je t'écoute. Tu veux commencer? Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui réclame une place. Non, non, non. Mon cœur lui est fermé. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 Seigneur, tu peux rentrer. Je l'aime bien cette chanson. Et la force, c'est celle de notre cœur, c'est ça? Exactement. Je vous aime très fort. À bientôt, le petit déconfiné. Bisous! Mais vous avez compris le verset que nous a appris Emmanuel et Monsieur Question? Ce verset, il dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Comment il faisait, le rap? Garde ton cœur plus que toute autre chose, yeah, yeah, yeah! Garde ton cœur plus que toute autre chose, yeah, yeah, yeah! Tu le fais avec moi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, yeah, yeah, yeah! Garde ton cœur plus que toute autre chose, yeah, yeah, yeah! Tu sais où est-ce qu'il se trouve ce verset? Il se trouve dans Proverbes
4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais ça m'encourage vraiment. Ça veut dire que Dieu veut vraiment nous encourager à prendre soin de notre cœur, de nos pensées, de tout ce que l'on fait et de comment on nourrit notre cœur. Hé les enfants, vous savez ce que j'ai retrouvé? Regardez, j'ai retrouvé mon château Playmobil. Waouh, tu te rends compte ce château-là? Il est génial. Mais un méchant tout d'un coup est arrivé à toute vitesse, son cheval à la ville, tu l'entends? Il arrive. Il est là. Il voulait attaquer le château. Oh non. Est-ce qu'il va réussir à rentrer, tu crois? Il avait pris une épée, un bouclier et son cheval super galop. Et il s'approche du château à toute vitesse. Mais arrivé devant le château, qu'est-ce qu'il découvre? Des gardes qui lui barre la route. Non, lui dirent-ils. Tu ne rentreras pas dans le château. Ce château, on l'a fermé la herse. Et les méchants n'ont pas le droit de rentrer dans le château. Si, laissez-moi rentrer. Poussez-vous de là. Mais les gardes avaient décidé de bien garder le château. Et c'était impossible pour lui de rentrer. Et même s'il voulait escalader, les gardes d'en haut, eux aussi surveillaient. Regarde ça. Ils avaient leurs boucliers, leurs épées. Et la porte était bien fermée. Le château était super bien gardé. Impossible de monter dans la tour. Eh non. Alors, le méchant a dû repartir tout seul chez lui. Vous n'avez pas laissé... Je n'ai pas réussi à rentrer, disait-il tout triste. Je n'ai pas pu rentrer dans le château. Ce château était trop bien gardé, dis donc. Et le méchant est reparti chez lui. Bon boulot, les gars, bon boulot. La tour est bien gardée grâce à vous. Tu as vu comme les gardes ont bien gardé la tour. Il a raison, Lapinon, ils ont fait du super travail. Mais le verset, il nous a dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que nous aussi, on doit garder notre cœur pour qu'il n'y ait rien de mauvais qui rentre. Tu te rends compte de ça? Ça, c'est une belle illustration, dis donc. Mais alors, comment prendre soin de notre cœur? Comment on peut faire attention que rien de mauvais ne rentre dans notre cœur et vienne salir nos pensées et notre vie? Tu as une idée? La Bible nous dit que le Seigneur nous a créés et qu'il nous a donné tout d'abord des yeux. Tu sais que si tu ne fais pas attention, parfois des mauvaises choses peuvent rentrer dans ton cœur à cause de ce que tu regardes. Tout n'est pas beau à regarder. Parfois, peut-être, tu regardes des dessins animés où il y a des gens qui font des choses violentes ou des choses pas bien. Peut-être même qu'il y a des dessins animés où il y a des sorcières qui, des fois, sont gentilles. Mais la Bible, elle dit que non. Les sorcières, c'est méchant et c'est mal ce qu'elles font. Alors, fais attention à ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu regardes avec tes yeux? Et si des fois tu vois des choses qui sont pas belles et que la Bible elle dit que c'est pas bien, alors regarde pas! Ferme tes yeux, regarde pas! Parce que si tu regardes des choses mauvaises, c'est comme si tu mettais des déchets dans ton cœur. Après, ton cœur il va ressembler à une poubelle! T'as envie que ton cœur il ressemble à une poubelle? Mais la Bible nous dit que Dieu nous a donné des yeux. Regarde! J'ai fait des gros yeux, c'est rigolo, non? Des yeux pour que nous puissions regarder toutes les belles choses qu'il a créées. Oh, la nature comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors la Bible. Oh, avec les yeux que le Seigneur m'a donnés, je peux lire les merveilles de la Bible et voir les choses merveilleuses que Dieu a prévues pour nous.
et tout ce qu'il a fait. Ça, c'est sûr que ça va pas rendre mon cœur comme une poubelle, hein. Non, non, non. Ça va garder mon cœur. Si je regarde ce que me dit la Bible, ce que Dieu aime, et si je regarde toutes les choses qu'il a créées, alors je vais réussir à garder mon cœur tout bien, tout propre. Ça te dit qu'on mette les yeux à mon cœur ? Allez, on va lui mettre des beaux yeux pour se souvenir qu'avec nos yeux, je veux regarder ce que le Seigneur a fait. Et voilà ! Mon cœur, il a des yeux qui regardent que des belles choses. Regarde ! Mais, est-ce que le Seigneur t'a donné que des yeux ? Bah, bien sûr que non ! Alors, qu'est-ce qu'il t'a donné d'autre ? T'as une idée ? La bouche ! Eh oui ! Le Seigneur t'a donné une bouche ! Mais, comment on fait pour se servir de sa bouche pour garder son cœur tout pur? Si tu ne fais pas attention, parfois ta bouche peut salir tout ton cœur et tes pensées. Parce que, avec notre bouche, la Bible dit que l'on peut faire des choses très mauvaises. Parfois, il y en a qui disent des mensonges, par exemple. Ou alors des insultes, ou même des gros mots. Non, 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 moi je veux pas dire des gros mots. Parce que si je dis des gros mots, ça va salir mon cœur. Non, non, non. La Bible nous encourage à utiliser notre bouche pour louer Dieu, pour dire la vérité et pas des mensonges, pour faire des grands sourires à ceux qui nous entourent et leur donner la joie, comme on a appris la semaine dernière. Alors je t'encourage, comme la Bible nous encourage, à utiliser notre bouche pour louer Dieu, pour prier, pour encourager les autres, pour parler aux autres de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Ou aussi pour raconter aussi tout ce que la Bible nous dit. Alors si tu utilises ta bouche pour ça, tu garderas ton cœur tout pur, tout propre, comme nous encourage le verset qu'on a appris tout à l'heure. Alors fais attention à ce que tu dis. Fais attention aux paroles de ta bouche pour pas que ton cœur devienne une poubelle. On met une bouche à notre cœur ? Allez, notre cœur, tu souris et tu utilises ta bouche pour louer le Seigneur. Waouh, regarde, il est tout beau le cœur avec une belle bouche qui loue Dieu et des yeux qui glorifient Dieu. Tu veux toi aussi le faire maintenant ? Je te propose qu'on s'entraîne, on va utiliser notre bouche pour remercier Dieu et le louer à travers le chant qu'on va chanter maintenant. C'est parti pour le chant. Debout, debout. Tu chantes avec moi? C'est parti. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. L'amour, je sais que je ne pourrai jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Des oreilles. Ah, t'en as combien? Moi, j'en ai deux. Ah, ben oui, on a deux oreilles. Il t'a donné une bouche et deux oreilles. Des oreilles pour écouter.
Mais attention à ce que l'on écoute. Il faut faire attention à qu'est-ce que tu décides d'écouter. Est-ce que tu décides d'écouter ceux qui disent des mauvaises choses ou ceux qui disent des gros mots ou des mensonges? Attention à la musique que t'écoutes aussi. Parfois, il y a des musiques où les paroles, elles font pas plaisir à Dieu. Non, non, non. Alors quand c'est comme ça, moi, je préfère me boucher les oreilles pour pas entendre du tout, du tout. Je veux pas que mes oreilles, elles entendent des choses mauvaises, des gros mots ou des mensonges. Moi, je veux que mes oreilles, elles entendent ce que Dieu veut me dire. Regarde, tu veux toi aussi? Alors, tu prends avec moi des belles oreilles qui écoutent tout ce que Dieu veut nous dire. Alors, quand tu écoutes les chants de louange, comme on a fait tout à l'heure, quand tu écoutes des histoires de la Bible, ou quand tu écoutes des gens raconter des choses merveilleuses que Dieu a fait, alors ça remplit ton cœur de belles choses et ça remplit pas ton cœur de choses mauvaises. Alors, on met les oreilles et notre cœur pour se souvenir de faire attention à ce que l'on écoute pour pas que ça vienne gâcher tout notre cœur. Alors, on lui met les oreilles. Allez, tic, l'oreille ici, petit cœur. Tu écoutes bien les choses, bien, hein, mon cœur, d'accord? Et les oreilles ici. Tic. Oh, lolo. Eh, on commence à avoir des solutions pour garder notre cœur plus que toute autre chose. Attention à nos yeux. Attention à notre bouche, attention à nos oreilles. Et il reste quoi? Les mains! Tu fais coucou? Coucou! Le Seigneur t'a donné deux mains. Mais tu sais que si l'on ne fait pas attention, il y en a qui utilisent les mains que Dieu leur a données pour être violents, pour s'énerver, pour frapper, pour faire du mal. Mais c'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse, nous. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec nos mains? Tu peux utiliser tes mains pour bénir tous ceux qui sont autour de toi. Tu peux utiliser les mains pour aider. Aider les autres quand ils n'y arrivent pas. Aider les autres à porter les courses. Aider papa-maman à la maison, par exemple. La Bible nous encourage à utiliser les mains que le Seigneur nous a données pour montrer aux autres que Dieu les aime et être une bénédiction. Et au lieu d'être violent, non, on n'est pas violent avec les mains que le Seigneur nous a données. Est-ce qu'il nous a donné des mains pour qu'on se bagarre, tu crois? Bien sûr que non. Il nous a donné des mains pour que l'on puisse faire le bien tout autour de nous. Allez, on met les mains à notre cœur, comme ça on s'en souviendra. Maintenant, on ne pourra pas dire qu'on ne sait pas. Et ça fait plaisir à Dieu. Dieu, il a du plaisir à voir quand tu aides les autres, quand tu es gentil et quand tu utilises tes mains pour bénir. Et voilà, notre cœur, il a des mains toutes belles, toutes bien. Avec ses mains, il fait du bien. Avec ses oreilles, il écoute Dieu. Avec ses yeux, il regarde la création. Avec sa bouche, il loue. Et qu'est-ce qui manque? Il nous manque un dernier truc. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ce sont nos pieds. Eh oui! Le Seigneur nous a donné deux jambes et deux pieds pour courir et pour marcher et pour aller. Mais nous devons faire attention à où est-ce qu'on va. Il y a des endroits où c'est pas bien d'y aller. Il y a des endroits où t'as même pas le droit d'y aller. Alors si tu désobéis à Dieu et ou à papa, maman et que t'y vas quand même, c'est comme si tu faisais une bêtise, c'est une bêtise et ça salit ton cœur. Moi, j'ai pas envie. Moi, je veux aller là où Dieu, il veut que j'aille. Je veux courir pour annoncer à Dieu, aux autres, tout ce que Dieu, il a fait dans ma vie. Je veux aller partout où le Seigneur m'enverra et utiliser mes jambes et mes pieds, tic, 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 pour glorifier Dieu. Alors, on met les jambes et les pieds à notre cœur? Et voilà, notre cœur maintenant, il peut courir pour faire toutes les belles choses que le Seigneur veut qu'il fasse. Il peut courir pour aller annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Waouh, moi aussi, je veux que mon cœur et ma vie ressemblent à ça. Est-ce que toi aussi? Moi, je fais une balade dans le fond de mon jardin. Oh! Hey, mais qui c'est qui est là? Regardez, qui c'est qui est là? C'est Roger!
Coucou Roger. Coucou les enfants. Vous vous souvenez de Roger qui bricolait la dernière fois avec le bois? Mais Roger, tu es où là, dis donc? Là, je suis au potager. Le potager? Mais c'est quoi le potager? Le potager, c'est là où on plante les légumes. Les légumes? Tu les as légumes planté quoi alors? Les légumes qu'on mange. Donc ici, il y a les framboises, il y a les salades, les courgettes, les poireaux. Regardez ces tomates. Ah, on dirait une cabane. On dirait une cabane pour les tomates. Et derrière, les pommes de terre et après les poireaux. Oh, tu as planté tout ça? Ouais. Waouh, mais là tu fais quoi alors si t'es déjà tout planté? Tu vas ramasser? Non, parce qu'on est au début de la saison. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut nettoyer tous les potagers des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes? C'est quoi les mauvaises herbes? Les mauvaises herbes, c'est les herbes qui poussent, qui n'ont rien à faire ici. Et on les enlève, je les enlève, parce que sinon ça va étouffer le potager. Regardez les enfants. Regardez, j'ai enlevé des seaux et des seaux comme ça. Tout ça de mauvaises herbes? Ouais. Mais parce que ça veut dire que s'il y a les mauvaises herbes, après, les carottes, les tomates, les carottes aussi de la pinou, elles ne pourront pas pousser. Ils ne peuvent pas pousser parce qu'ils sont très gênés et ils sont étouffés. Ouah, dis donc, mais c'est du travail ça alors. Ah ouais, là c'est du travail, mais c'est très plaisant parce que les potagers, c'est vivant et c'est ce qu'on mange. Ça veut dire qu'après cet été, tu vas pouvoir ramasser tout ça? Voilà. Et moi les enfants, je vous dis qu'à partir du moment où vous mangez des légumes, pensez au potager et pensez aux mauvaises herbes. C'est très important. Eh oui, Roger, il a raison, dis donc. C'est important d'enlever toutes les mauvaises herbes parce que sinon les légumes après peuvent pas bien pousser. Regardez, il y a déjà des framboises. Oh, regarde, tu en veux une? Allez, tu crois qu'elle est mûre celle-là? Moi, je crois que oui. Attention, tic, et voilà, on peut la manger après. Qu'est-ce qu'il a planté d'autre? Les framboises ici. Oh, les patates et les poireaux, regarde, les poireaux, ils sont tout petits. Regarde les poireaux, tu les vois ici? Regarde. Oh là 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 là, quand ils vont grandir, après ils vont devenir grand. Et on va pouvoir les ramasser. Les tomates dont parlait Roger. Bon, ben là, hein, pour l'instant, les tomates, on les voit pas. Hein. T'as vu, il n'y a que des feuilles. Il n'y a pas encore les tomates. Et après, ça va pousser et il y aura des tomates. Oh là là, heureusement que Roger, il a enlevé la mauvaise herbe. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Roger, de nous avoir monté ton potager. De rien, les enfants. Passez une bonne journée. Au revoir, Roger. Bon courage. Regarde. Oh là 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 là. Ça, c'est une grosse mauvaise herbe, dis donc. Ah ouais. Elle est énorme. Et poum, dans le seau. C'est trop cool. Ah, vous avez vu Roger? Il a enlevé les mauvaises herbes du potager pour que les plantes puissent bien pousser et que le potager soit tout propre. Mais la Bible nous dit de faire pareil avec notre cœur. Nous aussi, la Bible nous encourage à prendre soin de notre cœur et à faire attention à ce qu'il n'y ait pas des mauvaises choses qui restent et qui rentrent dans notre cœur. Non. Et comme Roger, il enlève les mauvaises herbes du potager, nous aussi, on veut demander à Dieu de nous aider à enlever et à ne pas faire rentrer toutes les choses mauvaises qui veulent rentrer dans notre cœur. Nous, on veut garder notre cœur tout propre. Waouh, moi je veux que mon cœur et ma vie ressemblent à ça et glorifie Dieu dans tout ce que je fais. Est-ce que toi aussi, tu veux que ton cœur ressemble à ça et garder ton cœur pur? Alors, on va prier parce que tout seul, c'est impossible. Des fois, on fait des choses mauvaises sans s'en rendre compte vraiment, sans le faire exprès. Ou des fois, on va regarder des trucs puis on n'a pas fait exprès, ou des fois on va dire un gros mot et on ne s'est pas rendu compte. Alors on va prier pour que Dieu il t'aide à garder tes yeux sur des choses qui lui font plaisir, à écouter ce qu'il veut te dire, à mettre dans ta bouche des paroles qui encouragent les autres, des louanges pour le remercier, la vérité au lieu du mensonge.
Que Dieu, il t'aide aussi à utiliser tes mains pour aider les autres. Et tes pieds, pas pour aller là où c'est interdit, mais pour aller faire le bien tout autour de toi. Est-ce que tu veux toi aussi prier pour que le Seigneur, il t'aide toute ta vie à faire ça? Et qu'il aide aussi papa et maman à faire comme ça, parce que c'est pas que pour les enfants. Waouh! Waouh, 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 waouh! Je savais pas tout ça du tout, moi! Oh là 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 là! Moi, je vais aussi prier pour que Dieu, il garde mon cœur. Et puis maintenant, je vais faire attention à ce que mes oreilles, elles écoutent, à ce que ma tête, elle pense, à ce que ma bouche, elle dit, à ce que mes petits pieds de lapine, où ils vont, et mes mains, elles font. Je veux vraiment, vraiment, vraiment apprendre à louer Dieu tous les jours et à garder moi aussi mon cœur comme les gardes tout à l'heure. T'as vu? Quand ils ont gardé le château, ah, ils ont vraiment, vraiment bien gardé la tour, hein. Le méchant, il a pas pu rentrer, tu te rappelles? Ben, moi aussi, je veux pas que y ait des mauvaises pensées qui rentrent dans mon cœur ou que mes yeux regardent des mauvaises choses. Non, 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 non. Alors moi aussi, je vais regarder tout le temps dans la Bible pour être sûre qu'il n'y ait pas des mauvaises choses qui rentrent dans mon cœur. Toi aussi, tu veux faire ça avec moi? Ah, c'est vraiment chouette. Et puis, moi, ce cœur-là, ben, je vais le garder dans ma tête. Je veux que ma bouche aussi, elle serve à ça, mes oreilles, mes mains. Waouh! Moi, je veux un cœur qui ressemble à ça, dis donc. Alors, je te propose que l'on prie ensemble maintenant. Tu fermes les yeux? Et on va répéter après moi. Seigneur Jésus. Tu répètes? Seigneur Jésus. Merci. Parce que tu m'as créé moi. Parce que tu m'aimes moi. Je te prie, Seigneur, de m'aider à garder mon cœur tout pur. Aide-moi, Seigneur, que mes yeux regardent ce qui te plaît, que ma bouche dise des choses gentilles et des louanges, que mes oreilles écoute ce que tu veux me dire. Que mes mains servent à bénir. Et que mes pieds à aller partout où tu veux que j'aille. Dans le nom de Jésus. Amen! Merci Seigneur, parce que il nous demande de garder notre cœur pur, mais il ne nous laisse pas tout seul. Et il a dit qu'il serait tous les jours avec nous. Alors si parfois tu ne sais pas ce qu'il faut faire, regarde dans la Bible. Demande à papa et maman, qu'est-ce qu'elle dit la Bible à propos de ça? Est-ce que c'est bien de faire ça ou de pas faire ça? Est-ce que c'est bien de regarder ce film-là ou pas ce dessin animé-là? Est-ce que c'est bien si je fais ça ou pas? Demande à papa-maman, qu'est-ce que Dieu y dit dans la Bible? Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? Qu'est-ce qu'a dit la Bible à propos de ça? Et tu verras que cette Bible-là, qui a été écrite il y a très longtemps, eh ben elle parle aussi pour nous aujourd'hui. Et elle nous donne des conseils sur qu'est-ce qu'on doit faire pour garder notre cœur. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui et de faire aussi cette vidéo pour toi. J'étais trop contente de découvrir toute cette histoire avec le cœur, dis donc. Ça m'a drôlement encouragée. Je te fais un énorme bisou pour toute la semaine et je te dis à bientôt, bientôt, bientôt. Bisous, mouah, mouah, mouah. Moi aussi, ça m'a fait plaisir, les enfants, d'être avec vous. C'était la dernière vidéo d'école de dimanche avant les vacances. Parce que la semaine prochaine, ça sera une surprise. Et je te demande de retenir et de dire à papa, maman, que le 28 juin, on va se retrouver tous les enfants de l'église ensemble sur Zoom. Tu sais ce que c'est, Zoom?
C'est un logiciel où on peut se voir avec la vidéo. Et on va faire ça le dimanche 28 juin. Est-ce que tu retiens? Dimanche 28 juin. Alors va vite le dire à papa, maman, s'ils ne le savent pas encore, que dimanche 28 juin à 4h pour le goûter, à 4h, on va se retrouver tous ensemble sur Zoom pour faire coucou aux autres enfants qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Est-ce que ça te ferait plaisir? Alors surtout, 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 tu oublies pas, hein. T'inquiète pas, on va envoyer le lien à papa, maman et toutes les informations. Mais peut-être que eux, ils vont oublier. Alors tu retiens, le 28 juin, pour tous les enfants de l'église, on va se retrouver sur Zoom pour faire coucou en vrai. Je me demande si Lapinou, il sera là ou il sera déjà en partie en vacances. Tu crois qu'il sera là? On verra bien. Il faudra voir le 28 s'il est là. Surprise, on verra. Ça serait chouette en tout cas. Je vais peut-être lui dire de pas partir en vacances tout de suite. Hein. On va voir un peu. Je t'embrasse et je te fais un gros 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 bisou. Attrape. Bisous bisous. Ciao ciao.